Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve pour cette fin de chapitre 4 de la saison 4 de FFBE. Et c'est triste à quel point cette fin est tout triste. Effectivement, la tragédie annoncée, effectivement. J'en arrive même plus à parler, quoi. J'ai jamais vu de telles créatures aux alentours d'Elmont. C'est peut-être un signe qu'on a beaucoup avancé, alors. Ilma ne semble pas nous avoir suivis. Où sommes-nous? A priori, loin des problèmes. Est-ce que ça pourrait se dire? Mais le problème, c'est que la tragédie pour n'est peut-être pas encore finie, quoi. Peut-être la pire de toutes, c'est peut-être qu'ils n'auront pas réussi à sauver Lestia, quoi. Peut-être ça, la plus grande tragédie de suite. Et j'ai foutu, j'ai pas refait le. Oh là là. Ah ouais, là, d'arriver doucement sur la fin de toute l'histoire tragique. Je fais n'importe quoi, quoi. Rien ne va plus quoi, ouais, vraiment tout part à la dérive. Peut-être la dernière partie en français aussi, autant. Vu que j'ai pas pu avancer aussi rapidement que j'avais escompté, bref, rien qui va quoi. C'est vrai qu'en soi, si j'avais regardé avant, j'aurais pu dire bon bah ok, il n'y a qu'une zone, ça sert à rien de faire plus quoi, mais bon. Pouf. Comment ça, tu me résistes toi? Bon, ben, par précaution, on va faire ça sur tous. Tant pis. C'est vrai que j'avais vu qu'il y a eu zone 2 sur 3, mais je pensais pas que la dernière allait être aussi courte. Je m'attendais un minimum un peu encore de. Ah, quoique, après, peut-être qu'il en fait, c'est retourné peut-être de l'autre côté éventuellement. Voilà, que le suivant va basculer de coin peut-être après. Parce que je suis parti dans un délire, du coup on voit
Du coup, possiblement les origines de Rain Laswell, de Rain Laswell Physalis, quoi. Et autant en fait absolument peut-être absolument pas quoi. Que finalement Snowblinka du coup n'a pas pu mettre au monde quelqu'un pouvant hériter du coup de son du coup du noyau d'oméganisme là qui avait été surmonté. Donc du coup en fait si un des protagonistes est un descendant de Snowblinka direct, ben en fait ça récupérer ça en cours de route, je sais pas. Des clients, on en voit de moins en moins ces temps-ci. Salutations, je sais que cette question est un peu étrange, mais est-ce que vous pourriez nous dire où nous sommes? Ma foi, vous vous trouvez à Visectrum. Vous êtes perdu? Ils ont changé de monde carrément. Donc en fait, c'est des descendants et du coup, ça peut valider le fait que Fina, finalement, est une descendante lointaine de Leftia Uki, quoi. Oh mon dieu. Oui, on peut dire ça. Visectrum, hein. Ça ne me dit rien. Nous souhaitons nous rendre au royaume de Melsata. Pourriez-vous nous indiquer la direction à prendre? Le royaume de quoi donc? Vous cherchez à vous payer ma tête, arrêtez ça tout de suite. Tout le monde sait qu'il n'y a aucun royaume de ce nom en Paladia. Paladia? Alors, Tevas et les autres ont été envoyés en Paladia? C'est bien le cas. Tevas, Ish et Leftia ont traversé le portail et ont été transportés dans un tout autre monde. Attends une seconde. Alors, la raison pour laquelle je peux veiller mon sang sans être né en Lévonia, c'est parce que tu es le descendant de Tevas. Le descendant de Tevas. Et c'est pour ça que j'ai ce rêve. S'explique à présent. Qu'est-ce qu'il y a, Rain? Je ne sais pas. Ces larmes ne veulent pas s'arrêter. Je suppose que tu pensais appartenir à la lignée de Snowblinka. Mais maintenant, tu connais la vérité. Tu n'es pas le décès de Snowblinka. C'est le sang de Tevas, son esprit, qui coule dans tes veines. Tu es l'héritier d'une conviction sans faille, d'un homme plus fort et plus gentil que quiconque à travers les âges. Ton ascendance est la plus fière qui soit. Oui. Merci, Vanelmar, pour m'avoir tout raconté. Je comprends enfin ce que je dois faire. Tu as enfin découvert tes origines. Attends. Vous connaissez la relation entre Rain et Tevas depuis tout ce temps? Est-ce vraiment important? Rain a obtenu ce qu'il cherchait et grâce à ça, le dernier obstacle a disparu. Et maintenant, sèche tes larmes. Le moment est venu de régler nos comptes. Car tu n'es pas le seul.
Il y a un objectif à accomplir. Il a forcément. Oui, c'est vrai que c'était pas apparu ça encore, mais le sur il doit être par là, non? Il n'y a pas de. Durant. Pas ça? Pense que le jeu est bourré, hein? Ah non, c'est pas. Ah, c'est ça. Hein. Il m'a ouvert ça là-bas, mais en vrai. Ah, chapitre 5 qui s'est ouvert, non? What? attendez, il y a un bug. Qu'est-ce que c'est? Donc, pas ici. 2, 3, 4, 5, 6 zones. Sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize. Pas plutôt dans la capitale? Ah, c'est ce qu'il me semblait. Ça paraît lieu, c'est louche l'histoire. Sèche tes larmes. L'heure est venue de régler nos comptes. Hop, 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 on se calme une minute. Il y a peut-être encore un Oméga Vendrouille dans le coin. Ce n'est pas du tout le moment pour vous pour vous disputer. Elle a raison, notre priorité est de trouver et d'éliminer ce dernier Oméga. Si nous voulons vaincre Oméga, Rain et moi devons d'abord mettre un terme à notre duel. Ça n'a aucun sens. Très bien, Russe. Battons-nous. Je te l'ai promis, après tout. Rain, tu n'es pas sérieux, j'espère. Mais alors, tu dois me révéler la vraie raison, Russe. Sinon, je ne pourrai pas combattre de toutes mes forces. Parfait, tu ne voudrais pas mourir sans savoir pourquoi, n'est-ce pas? Allons à l'heure ailleurs, Rain. Une minute, Russe. Est-ce que tu as vraiment l'intention de te soustraire à ton devoir envers Carré de Wolf? Que se passerait-il si Van Helmar et Ina s'enfuyaient durant votre petite bagarre? Nous n'allons ni nous enfuir ni nous cacher. Nous allons rester ici. Et on est censé te croire sur parole? Je dois admettre que ça a éveillé ma curiosité. J'aimerais savoir qui des deux aura le dessus. Van Helmar ne ment jamais. Il comptait s'enfuir, il n'aurait jamais amené Rain ici de toute façon. Et toute cette histoire sur Elmond, il n'a rien fait pour dissimuler les faits. S'il vous plaît, croyez-le. Les enfants semblent lui faire confiance, Nini. Qu'en dis-tu? Ah, mais c'est pas vrai. Je dis juste ça pour essayer d'empêcher Rain et Russe de s'affronter. Oh, Si nous laissons Rain et Russe tout seuls, ils vont se battre? Ne t'en fais pas, on va juste discuter. On ne va pas se battre. Rain, allons-y. Bien. Il va lui apprendre la vérité derrière Nelika, quoi. Rain! J'ai dit qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Oui, c'est moi, sommes capables de parler en adulte, sans avoir besoin de combattre. Oui, vraiment. Mademoiselle Roca serait affreusement triste s'il devait arriver quelque chose. Ah ah!
Est-ce que tu insinues que je perdrai face à Russe? Je n'ai rien dit de la sorte. Très bien, je reviens bientôt. Ne t'en fais pas, qu'il disait, mais je ne peux pas m'en empêcher. Tu n'as pas confiance en Rain? Au contraire, c'est juste qu'il est si gentil. Je ne sais pas s'il réussirait à combattre sérieusement Russe. Russe est pareil. Hein? On ne dirait pas comme ça, mais Russe tient profondément à ses camarades. Maintenant que tu le dis, c'est vrai. Je suis sûr qu'il n'a aucune envie de blesser Rain. Mais alors, pourquoi? Certaines choses sont plus importantes que la camaraderie. S'il a un but, il est prêt à tout pour l'atteindre. Même combattre Rain. Quelque chose de plus important, hein? Et voilà, le chapitre 5 fait son apparition. Et du coup, qu'on commencera la prochaine fois. Visectrum, c'est... Oui, on a une info Palladia. Et donc du coup, c'est indirectement avec leur arrivée Palladia, du coup, qu'ils ont cherché pour Leftia. Et donc du coup, elle a fait l'objet de recherches par l'empereur Vlad, forcément. D'une manière, voilà, à un moment donné. Mais du coup, après, ça donne pas... Après, je pense qu'à mon avis, Kilmal, de son côté, elle a dû récupérer les... elle a pu récupérer les données, je pense, de Runda pour essayer de reproduire l'histoire des transferts à deux portails. Après, est-ce qu'elle en est à l'origine... Enfin, pour réussir à maîtriser cette fonction-là, c'est la grande question. Mais ce qui est sûr, c'est que si c'est pas elle, ben les personnes qui ont pris sa suite, de toute façon, on continue les recherches pour parvenir à le développer. Et c'est peut-être comme ça que du coup la République de Sherna s'est fondée. Peut-être. Et voilà, donc du coup, oui, donc on sait que donc que Rain est descendant de Tevas. Donc finalement, peut-être que... Donc du coup, il y a... On sait que du coup, Rain, au-dessus, il y a Regen. En principe. Non, c'est pas en principe, c'est... On nous a... Ça nous a montré que c'était son père, donc forcément, voilà. Et du coup, presque Tevas, du coup, est le père de Regen, ou une ascendance plus importante, à savoir. Du coup, Ish, elle, de son côté, est-ce qu'elle a... Du coup, il y a juste eu Rowen, puis Laswell, ou est-ce qu'il y a eu d'autres mondes au milieu possible? Et du coup, Physalis qui serait donc ta réunion. Donc du coup, ça serait pas... Et ça serait bizarre que du coup... Niveau délire, enfin, ça ferait un truc bizarre, quoi. Je pense pas que ce soit aussi... Aussi simple que ça, les arbres généalogiques des trois loustiques, là. Mais ouais, il y a peut-être un truc comme ça, mais...
Ça reste à confirmer tout ça. Enfin, on va dire de manière plus de plus explicite ces arbres généalogiques pour les personnages. Parce que techniquement, après, oui, parce qu'a priori, la Swell ne serait a l'air de s'en foutre un peu de ses origines, bien qu'il vienne de Lévonia lui aussi, donc c'est enfin, qu'il ait des origines de Lévonia, ça serait ça paraît assez bizarre, mais après tout, pourquoi pas. Ouais, il y a plein de nouvelles interrogations qui se pointent. Pas bah, liées à l'histoire pure, hein, du coup, mais un petit peu la chronologie, dirons-nous, à partir du moment du coup où Tevas et Illys se sont retrouvés à Paladia. Il y a moyen que, genre, ils avaient commencé à vivre une vie paisible. Mais avec le problème de l'Estia, bah, du coup, voilà, scientifique, ben bah, voilà quoi. Et bref. Là, ça va tourner en rond si, sur les extrapolations, donc on va s'arrêter là pour cette fois-ci. Et on se retrouve bientôt pour la suite. À bientôt tout le monde, et portez-vous bien.